projets et de programmes. Qu'il faut éviter le responsable des jeunes, l'équipe de Djoko Ak Maki, nous vous saluons, nous allons démarrer nos travaux. Je voudrais d'abord donner la parole à monsieur le gouverneur de la région, qui décline l'agenda. Et après, nous allons distribuer des paroles pour les différentes interventions. Monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, je voudrais vous saluer vos collègues ministres, notamment monsieur le ministre des pêches, en charge des pêches, et monsieur le ministre Dugué. Saluer l'ensemble des maires et autres autorités prenant part à ce service spécial. Monsieur le ministre, nous souhaiterions donc vous proposer l'agenda ci-après, à savoir dans un premier temps permettre à monsieur le maire de la commune de Médina, qui abrite ce CRD, de prononcer l'allocution de bienvenue avant que vous n'introduisiez les ministres, à savoir le ministre Alun Doy, qui non seulement est ministre membre du gouvernement, mais également maire de la commune de Dakar Plateau, pour prononcer un mot en sa qualité de ministre, avant plus tard de lui permettre de revenir maintenant sur les aspects qui intéresseraient sa commune. Et là, il prendra la parole en sa qualité de maire de la commune de Dakar Plateau. Ensuite, monsieur le ministre Dugueye, qui a bien voulu répondre à votre invitation, il est ministre, mais également fils de Dakar, de la commune de Médina. Il a donc bien voulu prendre part à ce CRD sur votre invitation pour également apporter sa contribution. Après le ministre Dugueye, monsieur le ministre, vous prononcerez l'allocution d'ouverture avant maintenant qu'on entre dans le vif du sujet, à savoir une présentation des options d'aménagement par le directeur général de Manotte, le DG Bibo. Alors c'est cette partie-là qui nous permettra de recueillir les contributions maintenant des maires. Alors, la particularité de ce CRD, c'est que c'est un CRD axé sur un arrondissement, l'arrondissement de Dakar Plateau. Donc, pour la deuxième partie, les maires de Dakar Plateau et de Médina prendront la parole. Nous avons convié également à ce CRD les autres maires de l'arrondissement de Dakar Plateau, à savoir le maire de Keltapé Fass-Colobane, le maire de Fan-Pointe Amitié. Alors, ils prendront la parole s'ils sont là, évidemment, en qualité de maire. S'ils se sont fait représenter également, on donnera la parole à leur représentant. Maintenant, monsieur le ministre, nous avons également associé à ce CRD le maire de la commune de Gorée. Alors, la commune de Gorée, qui ne fait pas partie de l'arrondissement, mais qui est voisine immédiate de Dakar Plateau, donc de l'arrondissement, et nous estimons que on ne peut pas s'intéresser à l'arrondissement de Dakar Plateau en ignorant la commune de Gorée. C'est pourquoi également nous avons demandé à ce que le maire de Gorée rejoigne le CRD et apporte sa contribution. Au terme donc des interventions des différents maires, donc les quatre maires de l'arrondissement plus le maire de la commune de Gorée, s'il est représenté évidemment, nous permettrons maintenant aux acteurs de l'arrondissement d'intervenir. Donc c'est les jeunes, c'est les femmes,
les délégués de quartier, les notabilités religieuses, coutumières, les opérateurs économiques, bref, l'ensemble des forces vives de l'arrondissement de Dakar Plateau. Après cela, monsieur le ministre, ce sera au tour des services de l'État, les directeurs généraux, les directeurs nationaux et autres chefs de service qui apporteront chacun en ce qui le concerne, évidemment, donc de contribution à ce CRD avant que vous ne repreniez la parole pour les recommandations et autres conclusions du CRD spécial. Alors, je voudrais également préciser que les travaux se feront en langue nationale de préférence, donc en langue wolof, mais pour l'ouverture, on pouvait le faire en français. Et maintenant, pour les débats et autres contributions, le faire donc en wolof. Je vais te dire au gouverneur de Dakar. Je vais vous dire que nous sommes l'élite de Gormi, le préfet de Dakar, sous-préfet Axelie Adjoint. Je vais vous dire que nous sommes les élites de la population du Sénégal. Je vais vous dire que nous sommes les élites de la population du Sénégal. Di nuyu sunu kilifa yi fi nek yeb muy ñu diiné ju ada imam bi seeni layim déggé de quartier yi bañu no gox yi mag ak ndaw goor ak jigen né nga xamné yalla mo do bolé ñu dëkk ci arrondissement Dakar Plateau. Monsieur le ministre, sama ko maye man ñaari kaddu rek lay jëkëti di tuuti. Gannaaw bi ñu dalalé ñëpp top ci tanku maire joko ak makki dafa nek ben activité bokul ak mouvement président Macky Sall dafa am ben gis té ñu mu japp ni nonu la réew mi tollu laj doxalin bu ñu ñongal bokk na di sax ñi téllu dem ba commentaire yi joggé ci élection France kaddu bi gëna am solo bi président bu bess bi wax moy gouvernance bu ñuy rénover wala bu ñuy réformer parce que citoyen tombé jamono ji ñu tollu dafa am leneen bu ñuy laj ci yorin ak digalé. Lolu boy xolé tambali gi amna ci le président Macky Sall tudé won les conseils des ministres délocalisés manam dañ dal ñew ci ben région force bi di ñew top joxe sen cadre ci lan moy priorité ñom ñu gis ci modernisation ak développement wu région lolu maye ay priorité. Nous avons fait des instruments qui sont soit pour le PTIP, le Programme Triennal d'Investissement Prioritaire Public, ou le BCI. Moy egg ba ci biir territoire parce que daf ko jox dayo bu yaatu muy ministre bo xamni mo yor territoire donc bu ñëwé ci territoire yi lamu bëgg moy d'abord mom am contact direct ak population gis ci ay yoon gis ci ay engagement waccok ñom ba paré sante ministre bi mu amal jotaay bu melni muy dajalé doomi gox bi pour ñu jéma xol ci niveau territoire bobu naka lañuy baralé mbir yi pour am ay xalaat yo xamné bu ko joxé jéxital nit ñi dinañu gis ni amna jéego bu ñu tek di xaar benen bu ñu toll lool nak dañ ci féliciter le ministre des collectivités territoriales
Parce que quand il est venu, il faut serrer à lui. Les gens qui ont par parole, qui ont été fait avec lui, nous ne pouvons pas faire de l'accès. Monsieur le ministre, soyez donc félicité. Parce qu'il n'y a pas de l'accès. Donc, je ne sais pas si je suis le meilleur cadre du président Macky Sall, du président, avec le meilleur un peu de communication de l'Adélé, de l'Assaré. Je ne sais pas si je suis le parce que je suis expliqué la stratégie nationale d'aménagement du territoire, plan national d'aménagement du territoire, mon ami Aliou acceptera très bien parce que Medina plateau ben len mais momit domi Medina la donc tay wa Medina len dajal mais and ci ak wa plateau and ci ak wa pointeur and ci ak wa face corban and ci ak wa gore and ci ñun ñep yaakar ni yalla dinañ ci defal jamm ba ñu gis lu leer gis yoon li ci dess ñu ñaan yalla def ci barké pour yaakar yépp mëna jëf. Il y a un peu de communication présidentielle. Sur le gouverneur de la région de Dakar, sur le préfet du département de Dakar, sur le sous-préfet de l'arrondissement de Dakar Plateau, mesdames, messieurs les honorables députés membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, sur le représentant de la Commission nationale du dialogue des territoires, sur le maire de Dakar, de Medina plutôt, sur le ministre conseiller, messieurs les maires des communes de Dakar, Plateau, Medina, Delta, Pefas, Corovan, Pointe, Amitié et Gorée, mesdames, messieurs les adjoints aux maires et conseillers municipaux, mesdames, messieurs les partenaires au développement, monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, mesdames, messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, coordonnateurs de projets et programmes, chefs de service, mesdames, messieurs les notabilités coutumières, religieuses, mesdames, messieurs les responsables des jeunes, des femmes, mesdames, messieurs, les responsables de Tioko Ak Maki, mesdames, messieurs, chers invités. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration du plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar Plateau. En effet, Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, m'a donné instruction lors du Conseil des ministres du 6 avril 2022 d'élaborer dans les meilleurs délais, en rapport avec les ministres concernés et les maires concernés, un plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar Plateau. L'instruction est consécutive à son dialogue direct avec les jeunes de Dakar Plateau et de la Médina, dans le cadre de l'initiative Tioko Ak Maki. Nous venons de boucler les plans spéciaux d'aménagement et de développement des départements de Pikine et de Kermassa qui ont été élaborés dans le même contexte. Ce plan d'urgence, qui sera disponible dans la première quinzaine du mois de mai de cette année, contribuera à la prise en charge des préoccupations des populations de l'arrondissement en termes, entre autres, d'éducation, de santé, de protection sociale, d'assainissement, de modernisation des marchés, etc. Les urgences de l'arrondissement sont également relatives à la modernisation des pays de l'Ebou, à un meilleur cadre de vie, à la gestion des déchets, à l'accès à l'eau, à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Je voudrais d'ores et déjà
souhaiter à mon tour la bienvenue au nom de Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et exprimer mes vifs remerciements à tous les participants qui ont bien voulu répondre à cette invitation et prendre part à cette importante rencontre. Votre présence massive est une preuve tangible de l'intérêt que vous accordez à la problématique de la modernisation de l'arrondissement de Dakar-Plateau. Mesdames et messieurs, chers invités, le plan national d'aménagement et de développement du territoire, PNADT, validé en conseil présidentiel par Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, le 24 janvier 2020, a analysé le département de Dakar, notamment l'arrondissement de Dakar-Plateau, sous divers angles, que sont l'environnement et les ressources naturelles, les dynamiques démographiques et spatiales, le développement humain ainsi que les dynamiques économiques. L'arrondissement de Dakar-Plateau concentre l'essentiel des activités économiques, infrastructurelles et institutionnelles du département de Dakar, tel le pont de la métropole internationale de Dakar. L'importance du trafic qui en découle aux heures de pointe crée une congestion de la circulation des biens et des personnes, rendant ainsi le transport à Dakar toujours problématique. Dakar-Plateau est un territoire en urbanisation accélérée et continue, faisant face à une compétition pour le foncier et à des conflits du fait de l'exiguïté de l'espace et des dynamiques territoriales expansives. Cette situation est à l'origine de la création d'autres centralités dans Dakar, affectant particulièrement les activités du secteur tertiaire. Mesdames et messieurs, chers invités, l'économie locale de l'arrondissement, comme partout ailleurs, a été très éprouvée par la pandémie de COVID-19. L'élaboration de ce plan d'urgence et la mise en œuvre des projets structurants échelonnés et programmés dans le temps et dans l'espace permettront sans nul doute d'améliorer le cadre de vie des populations, de favoriser le développement des activités économiques, sportives et socio-culturelles, de réhabiliter, d'étendre et d'équiper des écoles, hôpitaux, centres de santé et marchés installés dans les communes. Dans ce contexte, marqué par la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes Khéyou Daoudi, cher au chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, les projets d'action du plan d'urgence contribueront à renforcer l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables. Mesdames et messieurs, chers invités, l'objectif du Comité régional de développement spécial d'aujourd'hui est donc d'identifier les urgences de l'arrondissement de Dakar-Plateau, de proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations. Il faudrait rappeler également que lors du Joko Akmaki, dont nous avons les minutes ici, pour ne pas dire le verbatim, toutes les commissions qui ont eu à intervenir, tous les problèmes qui ont été posés, évidemment, à côté, il y a des solutions qui seront apportées. Des solutions dans l'urgence, je pense même qu'on a commencé à voir des résultats, n'est-ce pas, monsieur le maire de Médina? Le président avait dit, je leur avais demandé une ambulance. Eh bien, l'ambulance est livrée. Disponible. Donc c'est dans cette manière de travailler, en contre fast track, avec efficacité, avec efficience, que nous voulons justement rendre les problématiques et trouver des solutions pour l'intérêt des populations. Je loue donc la passion et les grands intérêts que vous accordez tous au développement de votre arrondissement. C'est pourquoi je suis très confiant à l'atteinte des objectifs de ce service spécial. Je ne saurais terminer sans remercier vivement M. le gouverneur de la région de Dakar qui n'avait jamais ménagé aucun effort pour la réussite de ce service. Les acteurs de Dakar-Plateau, le directeur général de l'ANAP et son équipe, ainsi que l'ensemble des hauts fonctionnaires de l'État ici présents. Et quand je dis des hauts fonctionnaires, je parle des directeurs généraux, des directeurs nationaux, des chefs de service, des responsables de programmes et projets, mais également de toute l'administration ici présente, pour qu'au bout de nos travaux,
nous puissions après sortir un document qui sera soumis à l'appréciation et la validation de la plus haute autorité, c'est-à-dire son excellence M. Macky Sall, président de la République. Je souhaite plein succès à nos travaux et déclare donc ouvert le comité régional spécial développement consacré au plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar-Plateau. Je vous remercie de votre aimable attention.